Monsieur Katou Kabiye-Roland, il est avec nous autour de cette table. Il est le sous-directeur des études et du suivi des politiques publiques au Sénat. Bonsoir, monsieur Katou. Bonsoir, monsieur Alou. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. On avoue que ça n'a pas été très facile d'avoir quelqu'un du Sénat qui a accepté de s'exprimer. Donc, vous portez la voix du Sénat aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Déjà, merci, hein, merci d'accepter de le faire. Merci. À mon tour également, je voudrais dire merci à la direction de Life TV au nom de M. Jeannot Ousou-Kouadio, président du Sénat, pour l'opportunité qui nous est donnée de parler du Sénat aujourd'hui. Très bien. Alors justement, le Sénat, de nombreux Ivoiriens se posent des questions, de nombreuses questions. Et je pense que pour un grand nombre, la première question, c'est quoi le Sénat? Alors, est-ce que c'est les députés? Est-ce que c'est quoi le Sénat? D'accord. Alors déjà, je voudrais indiquer que, et il est important de le rappeler, que la démocratie, l'organisation de la démocratie dans un État, sépare les pouvoirs en trois. Vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir législatif, dans notre Constitution, indique qu'il est exercé, ce pouvoir-là, par le Parlement. Et le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Sénat est donc une chambre parlementaire qui exerce aux côtés de l'Assemblée nationale le pouvoir législatif pour le vote des lois et un ensemble de missions que nous aurons le temps de regarder ensemble. Et en quoi le Sénat et l'Assemblée nationale sont complémentaires? Quelle est la plus-value du Sénat dans ce schéma? Alors, je peux compléter la question. Vu que depuis longtemps, on a fonctionné sans un Sénat, et à un moment donné, il y a eu peut-être un besoin d'avoir un Sénat. C'est pour quelles raisons? Voilà, vous avez compris la question. Si ça s'appelle un tiers groupé. Alors, déjà, il faut indiquer que sur le plan historique, le Sénat a été créé dans la Constitution en 1998. Beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas. Il y a eu une révision de la Constitution en juillet 1998 qui a créé le Sénat, donc par voie parlementaire. Les événements sociopolitiques que nous avons connus dans notre pays ont conduit quelques temps plus tard à la dissolution de la Constitution et finalement, la Constitution qui a été reprise en 2000 n'a pas pris à son compte le Sénat. Et donc, ça c'est du point de vue historique, je poursuis. En 2010, les deux candidats qualifiés au second tour de l'élection présidentielle avaient dans leur projet de société, dans leur programme de société, la création du Sénat. Tout cela, je le dis pour indiquer que les différents partis politiques qui ont présidé aux destinées de la nation depuis toutes ces années ont tous pensé à l'utilité de créer le Sénat. Justement, alors, Monsieur Katou, un bon nombre d'Ivoiriens pensent que le Sénat, c'est un peu, on va dire, une sorte de maison de retraite des politiques. Alors, dites-nous, en quoi consiste réellement le rôle d'un sénateur? D'accord. Alors, ce n'est pas exactement cela. Ce n'est pas une maison de retraite. Les sénateurs sont véritablement au travail. Ils ont pour mission, en partage avec l'Assemblée nationale, de voter la loi, de consentir l'impôt, de contrôler l'action du gouvernement, d'évaluer les politiques publiques et également d'assurer la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors jusqu'à 1998, j'ai envie de dire, on a fonctionné sans Sénat. Je pense que les choses allaient plutôt pas mal. Vous êtes d'accord? Oui. Donc ces Sénats-là, on a parlé de sa plus-value. Personnellement, je n'ai pas été très convaincu. Je me suis dit, bon, depuis 60 jusqu'à 98, ça marche plutôt bien. Et tout le monde dit, tiens, il faut qu'on crée un Sénat. Et après, les gens disent, bon, le Sénat même là, on ne voit pas trop à quoi il nous sert en Côte d'Ivoire. Vous avez eu ce sentiment-là? On vous a remonté ces informations-là? Oui, ça revient régulièrement et c'est compréhensible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif du constituant en créant le Sénat, c'est, si vous voulez, de permettre au Parlement de tirer profit de ce que l'on peut appeler la richesse de la démocratie participative. En ce que le Sénat, par sa nature, assure la représentation des collectivités territoriales. Ici, il s'agit précisément de faire en sorte qu'il y ait un autre regard qui est porté sur la loi, à travers les représentants donc de ces collectivités-là. Aux États-Unis, vous avez la Chambre des représentants, vous avez à côté le Sénat qui représente les États confédérés, et en France, vous avez, je dirais en Angleterre d'abord, vous avez la Chambre des Lords qui est la Chambre des Nobles, donc qui représente le Sénat. Ici, le constituant a souhaité que les collectivités territoriales qui existent en Côte d'Ivoire aient des représentants pour porter également un regard sur la loi. Et c'est certain que plusieurs regards sur le même sujet ou sur la loi qui régit notre société ne peuvent qu'en améliorer la qualité. Concrètement, 99, si je ne me trompe pas, 99 sénateurs, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus que nos députés ne font déjà?
C'est ce que je viens de dire. Non, le fonctionnement, parce que c'est vrai, vous parlez de vous avez donné des exemples. On a dit, par exemple, comme l'a dit Brice, on a fonctionné sans Sénat, depuis 1998, malgré la promulgation de la loi. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un sénateur m'apporte dans le développement de mon pays? Alors, de façon concrète, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, depuis son installation au Sénat, on aimerait vous permettre de dérouler un tout petit peu les actions menées par nos sénateurs jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir répondre à la question de Mme Bleu peut-être. Alors, tout est indiqué. Le constituant a souhaité que nous ayons deux chambres pour améliorer la qualité de la loi. C'est ça le rôle du sénateur, c'est de voter la loi, de consentir l'impôt, d'évaluer les politiques publiques, contrôler l'action du gouvernement. C'est une démarche qui consiste à emmener, comme je l'ai dit, un nouveau regard, une perception qui est l'aspiration de ce que les sénateurs représentent, à savoir les collectivités territoriales, les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Donc ils apportent ce regard-là, donc ils sont leurs représentants. On peut ne pas voir. Vous savez, la difficulté que nous avons, c'est que les députés, pour le cas des députés, ils sont élus au suffrage universel direct, donc par la population, qui se sent directement concernés parce qu'ils élisent leurs députés. Mais ici, ceux qui sont concernés par la création du Sénat, ce sont les collectivités territoriales qui trouvent aux représentants, puisque les sénateurs sont élus à travers un suffrage universel indirect, qui trouvent à travers les sénateurs une voix pour porter leurs aspirations. Voici ce que le Sénat apporte. Mais il y a combien de lois qui ont déjà, par exemple, été créés par... Que les sénateurs ont poussé ou accepté ou validé. Au total, alors, en 2019, deuxième année de législature, 23 projets de loi ont été adoptés. En 2020, c'est 69 projets de loi qui ont été adoptés par le Sénat avec l'amendement, vous savez qu'avec des amendements, parce que les parlementaires ont tous le droit d'amendement. Donc, il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été faits et c'est justement ces amendements-là qui permettent d'améliorer la qualité de la loi. Quand vous dites que le Sénat représente les collectivités territoriales, vous entendez quoi par là? Alors, il faut indiquer que, tout à l'heure, Mme Bleu le disait, le Sénat est constitué de deux tiers de membres élus au suffrage universel indirect par un collège constitué de conseillers municipaux, conseillers régionaux, conseillers de district. Donc, qui élisent ces 66 sénateurs, dans notre cas, qui sont issus des 31 régions que nous avons en Côte d'Ivoire et des deux districts autonomes. Ce que je voulais comprendre par cette question, puisque vous dites que les collectivités territoriales préfèrent être représentées par les sénateurs, contrairement aux députés qui, eux, sont élus par la population et qui sont censés parler au nom de la population, mais population également gérée par les différentes collectivités territoriales. Est-ce que là, nous ne sommes pas dans un projet politique qui tendrait à s'assurer de faire passer certains projets de loi qui pourraient peut-être rencontrer des murs au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que quand vous expliquez comment est-ce que sont élus les sénateurs qui ne représentent pas forcément la population, mais qui sont également élus par les collectivités territoriales qui, on le sait, sont très proches, on va dire, du gouvernement en place, est-ce que ce n'est pas une façon de s'assurer de faire passer les lois au niveau politique? Alors déjà, est-ce qu'on peut dire que les sénateurs sont plus proches du pouvoir que les députés? Non, il s'agit du législatif. Je n'ai pas dit les sénateurs, d'accord. J'ai parlé des collectivités territoriales, d'accord, comme vous l'avez dit. D'accord, alors les collectivités territoriales, il faut dire que les sénateurs sont les élus des élus. C'est-à-dire que les collectivités territoriales elles-mêmes sont constituées d'élus par le peuple. Donc vous avez une assemblée qui est élue directement par le peuple et une autre assemblée qui est élue des élus. Voilà. Il y a cette séparation de pouvoir que j'ai tenu à préciser au départ pour indiquer que nous sommes dans le législatif. Et donc, il s'agit d'un autre pouvoir donc, qui reçoit des projets de loi ou qui fait des propositions de loi qu'ils essaient d'amender à leur niveau. Les textes sont travaillés de sorte à sortir la meilleure qualité de loi possible. Mais monsieur Katou, vous n'avez pas parlé, on a dit 99 sénateurs, 66 sont élus au suffrage universel indirect. Et les 33 autres sont choisis par le président. Merci beaucoup, oui. Effectivement, le président de la République... Donc proche du pouvoir? Non, pas forcément. Est la différence? Ils sont nommés par le président de la République, mais une fois nommés, ils exercent dans le pouvoir législatif et donc... Mais quels sont les critères de sélection? Donc, les critères de sélection... Vous avez une partie des sénateurs qui sont nommés par le président de la République, oui. Et vous en avez une autre qui sont élus par les élus des collectivités territoriales. Exact. Pour en revenir à mon point de vue, ouais. Est-ce que ce n'est pas une façon de faciliter le passage des projets de loi
Non, je ne dirais pas comme ça. De toute façon, un projet de loi, quand il est soumis par le gouvernement, c'est bien pour qu'il soit adopté, qu'il ait été amendé ou pas, c'est bien pour qu'il soit adopté parce qu'il y a un problème qu'on veut régler avec une loi. Ça veut dire qu'il y a une forme de filtre. Il faut qu'il soit adopté, c'est vrai, mais par le consentement des populations qui sont représentées par leurs députés. Bien sûr, et c'est cela, parce que les députés sont redevables vis-à-vis de ceux qui les ont élus, les sénateurs également sont redevables vis-à-vis du collège qui les a élus. Et donc, la loi arrive, une loi, quand elle est proposée, c'est pour régler un problème. Pour ceux qui sont élus. Élus ou nommés. Parce qu'une fois que vous êtes élu, vous exercez au Parlement dans le pouvoir législatif. Vous n'êtes pas dans l'exécutif. Je vais vous donner un exemple, par exemple, pour ce qui concerne le Sénat. Sur les 33 sénateurs qui ont été nommés par le président de la République, il y en a deux qui ne sont membres d'aucun groupe parlementaire. Alors, c'était dans l'objectif de grossir les rangs du groupe parlementaire proche du pouvoir, ces sénateurs. Oui, mais c'est un choix. Vous savez, ça fait 31 qui viennent en plus. Hein. C'est un choix. Vous savez, il arrive que des sénateurs ou même des députés soient élus sous une bannière, échangent de bannière dès qu'ils arrivent au Parlement. C'est un choix qui est totalement libre. Les sénateurs, une fois dans la Chambre, ont le choix d'adhérer à un groupe parlementaire ou à un autre. Très bien. Comment se fait, par exemple, le suivi des politiques en matière d'éducation, de santé, même de sécurité, ou même quand on n'a pas d'électricité, on ne sait jamais. Est-ce que vous pensez sur ces questions-là? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, à travers les projets de loi qui sont proposés, les sénateurs ont l'occasion d'interroger les représentants du président de la République, les commissaires du gouvernement, sur les projets de loi qu'ils soumettent. Concernant le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques, vous avez dû suivre le discours d'orientation du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session 2021. Il indiquait à titre prospectif que le Sénat a exercé pendant les trois premières années de législature sur sa mission de vote de la loi et qu'à partir de cette nouvelle législature, donc les autres missions que sont le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques seront des pans importants pour la législature à venir. Il a cité, pour terminer, des grands secteurs qui intéressent la vie nationale, notamment, vous l'avez entendu, l'éducation, le système de santé, la protection de l'environnement et même la modernisation, la transformation de notre administration. Contrôle de l'action de gouvernement, c'est-à-dire que les sénateurs ont la possibilité de convoquer un ministre pour lui poser des questions sur une situation qui concerne les populations et qui concerne également l'implication de ce ministère en question. Parfaitement. C'est un mécanisme qui existe à travers les questions orales ou écrites au président de la République. Pour les questions orales, donc le président envoie un de ses ministres répondre à la question. Ça a déjà été fait ? Non, mais je pense que c'est ce qui se profile. Je ne crois pas beaucoup, mais je pense que ça n'arrivera pas forcément, puisque vous avez quand même 33 qui sont nommés par le président de la République. C'est un peu difficile pour eux de convoquer un ministre du gouvernement. Mais ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu ailleurs. Aussi. Non, je parle de la Côte d'Ivoire, parce que justement, pour en revenir à ces nominations au niveau du Sénat, le Sénat me paraîtrait beaucoup plus crédible, peut-être au niveau justement de la représentativité des comment je peux dire ça du bien-être des populations si ils étaient tous élus. Alors pourquoi nommer des sénateurs? Parce que c'est comme ça que ça se fait, ça, c'est... Mais je crois que même à la Cour constitutionnelle, est-ce qu'à la Cour, il y a même des juges qui sont nommés par le président de la République ou non? Oui, malheureusement, on n'a pas le président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. C'est un choix du constituant que le président de la République nomme un tiers des sénateurs. Ce sont des choses qui ne sont pas figées, qui peuvent évoluer. Déjà, il faudrait déjà créer le Sénat. Le Sénat est créé, le Sénat exerce, le Sénat va faire toutes ses preuves et des choses peuvent évoluer, le nombre de sénateurs également, la représentativité de nos différentes collectivités peut évoluer et même le mode de désignation également peut évoluer dans le sens que vous évoquez. Vous avez dit que le Sénat va faire ses preuves, alors combien de temps il faut au Sénat aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour montrer ce dont il est capable? C'est déjà en cours. Le Sénat a trois années, entame sa quatrième année de législation. La première année a été l'année de mise en place d'un certain nombre d'instruments pour fonctionner, notamment le règlement du Sénat. La deuxième année a vu le Sénat entrer dans l'une de ses missions constitutionnelles à travers le vote de la loi. La troisième année également s'est intensifiée en activité avec le vote de la loi, avec plus de projets de loi, mais également avec des séances d'information parlementaire. Il y a eu des occasions.
des occasions, des membres du gouvernement, de venir s'expliquer, même de présidents d'institutions, de venir expliquer les dossiers qu'ils ont à gérer. Vous, et donc, c'est vraiment, le Sénat est déjà en pleine action. Voilà. Vous nous dites que les choses ne sont pas figées, donc elles peuvent évoluer. Oui. C'est vrai que vous êtes là pour nous expliquer, pour qu'on comprenne un peu mieux. Mais ce qui fait un peu jaser, ce qui fait que les gens ne comprennent pas beaucoup aussi, ce sont les questions de chiffres, si vous permettez. J'espère que vous êtes assez bien placé pour les connaître. Combien coûte le Sénat aux contribuables ivoiriens? 0,1% du budget. 0,1% du budget. Et ça le a l'air minimiste oui, comme ça, mais le budget de la Côte d'Ivoire, c'est quand même assez conséquent. Ouais. Non, mais la question à poser, c'est combien gagne un sénateur? On allait y arriver. Le dire, ce n'est pas dire que ce n'est pas important. Toute partie du budget est importante pour nos concitoyens. Ils ont le droit de savoir ce qui est fait. Et c'est pour cela que je pense qu'il ne faut pas focaliser sur la valeur du budget, mais plutôt sur ce que le Sénat apporte en termes d'action sur la loi, sur l'amélioration de la qualité de la loi. C'est cela qui, pour moi, est beaucoup plus important. Justement, et par rapport à ça, parce que je voulais revenir à votre réponse quand j'ai demandé comment est-ce qu'on sait... comment est-ce qu'on voit ou on mesure les preuves que le Sénat fonctionne? Maintenant, si au bout de, on va dire, 5 ans, 6 ans, on se rend compte que le Sénat ne fonctionne pas, qui est-ce qui décide de dissoudre le Sénat ou de... Qui dit Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les séances du Parlement sont des séances publiques. Okay. Il arrive, et c'est prévu dans la Constitution, des mécanismes par lesquelles certaines séances peuvent se tenir à huis clos, mais les séances sont publiques. Et le Sénat souhaite que nos concitoyens s'approprient cette institution. Et il faudrait que nos concitoyens puissent venir suivre ou suivre les débats sur maintenant avec tous les outils que nous avons. Toutes les séances du Sénat sont diffusées. On a une direction de la communication qui travaille excellemment et qui nous permet de suivre, même à distance, tous les travaux du Sénat. Et donc, on invite les... Non, mais je vais préciser la question de Sophie Aïda. Aujourd'hui, on a un Sénat qui a été mis en place. Il est né un tout petit peu avec beaucoup de scepticisme de la part des personnes. Non, est-ce qu'il n'est pas trop budgétivore? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un Sénat? Est-ce que ce n'est pas une institution de trop? Et puis, vous dites, bon, ça y est, on arrive comme ça, mais on a besoin de travailler pour que les Ivoiriens nous fassent confiance. Et si, on s'est rendu compte que, bon... à la fin de la journée, le Sénat n'avait pas convaincu. Est-ce qu'il y avait la possibilité qu'on puisse ne plus avoir de Sénat? Et qui décide? Ce serait le choix du constituant. Très bien. Tout comme la création du Sénat était le choix du constituant. C'est important. Que le président de la République d'alors, en 1998, a estimé que c'était bon. Il a proposé au Parlement qu'il a adopté. Le Sénat a été créé. Le président actuel, tout comme celui qui était là avant lui, a pensé que le Sénat était bon. Le président de la République, lui, il a soumis au référendum la création du Sénat à travers la nouvelle Constitution. Le peuple a accepté cette Constitution et donc ça vaut acceptation des institutions qui sont créées, pas que le Sénat. Et très bien. Voilà. J'ai entendu collectivité, collectivité territoriale, collectivité locale avec les mairies. En fait, juste pour faire le pont avec l'interaction avec d'autres institutions. Aujourd'hui, le Sénat interagit avec l'Assemblée nationale, avec les députés. Est-ce que vous interagissez avec d'autres institutions, les mairies, tout ce qui concerne le bien-être des populations? Parfaitement. Il faut dire que concernant les collectivités territoriales, le Sénat a organisé en février 2020, avant que nous connaissions toute la période de pandémie dans notre pays, donc a organisé un forum du Sénat avec les collectivités territoriales, justement, pour les entendre sur un certain nombre de thématiques qui concernent la décentralisation, les entendre et porter leurs aspirations dans les projets de loi qui vont être examinés et adoptés par le Sénat. Alors, le Sénat assure également la représentativité des Ivoiriens qui sont établis hors du pays. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, que le Sénat doit porter également les aspirations de ces Ivoiriens-là, qui sont une frange importante pour notre pays. Et d'ailleurs, je vous ramène au discours d'orientation du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session 2021, il a indiqué que le Sénat entrevoit pour cette année 2021 de réfléchir à cette question. Et donc il y aura certainement, et c'est sûr, il a déjà annoncé un forum du Sénat avec les Ivoiriens de l'extérieur. Il y a une grande question sur ce plateau-là concernant le renouvellement du Sénat. C'est une question qui est revenue. La législature. Qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens par rapport à ça? Alors, tout est encadré par nos textes. Tout est encadré par nos textes. En mars 2020, je pense que vous avez suivi une révision constitutionnelle
et ensuite une révision même du code électoral. Donc l'article 104 du code électoral révisé indique que les pouvoirs du Sénat expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de législature. Ce même article poursuit plus loin, deux alinéas plus loin, indique que toutefois, dans l'impossibilité d'organiser les élections, le Sénat reste en fonction jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. C'est donc en vertu de ces dispositions que le Sénat poursuit sa législature et a ouvert par son président la quatrième année de législature le 13 avril dernier. Dernière question, quelle est la moyenne d'âge des sénateurs ? Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire exactement. Non, je n'ai pas le chiffre exact. C'est la chambre, la chambre des sages. La prochaine question, parce qu'elle a décidé de la dernière question, je ne sais pas pourquoi. La prochaine question, elle est combien de femmes ? Alors, le Sénat compte 19 femmes. Sur 99. Oui, mais vous savez que la question de la représentativité des femmes dans les assemblées élues est un souhait également du législateur. Mais ce sont les partis politiques qui proposent à l'élection. Mais pour ce qui concerne les 33, et j'allais y venir, le président de la République a pris soin de nommer 11 femmes sur les 33 qui ont été 33 sénateurs qui ont été nommés. On approche la moyenne. Bon, vous êtes bien, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci surtout d'être passé, nous donner ces éléments d'information-là sur le fonctionnement du Sénat. Je crois qu'on en sait un peu plus. Après, les interprétations et les commentaires, vous le savez, pour le quotidien des uns et des autres. Mais en tout cas, on en sait un peu plus sur le fonctionnement du Sénat. Je dis un courage à imiter par... Il faut venir expliquer aux Ivoiriens, quand il y a des questions qu'on se pose, c'est très bien. Ouais. Merci beaucoup. Vous avez accepté de venir sur le plateau. J'ai dit bien, vous avez accepté de venir sur le plateau. merci beaucoup pour l'occasion que vous avez donnée de parler du Sénat. Et nous attendons, nous espérons qu'il y aura d'autres occasions pour permettre aux Ivoiriens de connaître cette institution qui est la leur. Merci. Bien, pour pouvoir mieux la critiquer, il faut bien la connaître aussi. C'est cela. Merci beaucoup, M. Katou Kabir-Roland. Je rappelle que vous êtes sous-directeur des études et du suivi des politiques publiques au Sénat. C'est la fin de notre rendez-vous. Merci à tous et à toutes. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour un moment de décryptage. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.